Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel 4.5. Alors, aujourd'hui, on va voir comment utiliser les formules et puisqu'on est dans la section de l'assemblage, donc à la fin de, je ne sais pas, dans une deuxième ou troisième vidéo, on va voir comment manipuler un assemblage depuis les formules. À savoir, par exemple, cet exemple dans lequel on va manipuler la longueur de ce ressort juste en manipulant la distance entre ces deux pièces-là. Donc, c'est ce qu'on va voir dans une troisième ou quatrième vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord comment utiliser les formules. Alors, je ferme tout cela. Alors, vous allez dans Démarrer, Conception mécanique, Part Design. Voilà, on fait toujours de la pratique dans l'atelier Part Design. Alors, je clique sur Entrée. Là, je choisis un plan quelconque. Je dessine un rectangle. Voilà. J'ajoute quelques contraintes. Par exemple, celle-là et celle-là. Alors, vous cliquez sur Échappe pour désactiver cet écran. Et d'abord, vous allez sur Outils, Options. Vous allez dans Général, Paramètres de mesure. Et là, vous assurez que ces deux options sont cochées, avec valeur et avec formule. Après, vous allez dans Infrastructure. Et exactement, vous allez sur Infrastructure Part. Et là, vous allez sur Affichage. Et pour vous cocher paramètres et relations si elles ne sont pas cochées. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment les choses ça marche. Alors, vous développez l'arbre de spécification. Esquisse, vous allez sur géométrique. Alors là, on a point 1, point 2, point 3, c'est-à-dire tous ces points-là. Alors là, celui-là, c'est le point 2 qu'on voit ici, il est bien sélectionné. Si je clique ici, c'est le point 3, et c'est le point 1, etc. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un point, Katia, le nombre par défaut, point plus un numéro, c'est-à-dire un numéro X, je ne sais pas, par exemple, dans ce cas-là, 5, etc. Et la même chose pour les contraintes. Là, vous voyez le parallélisme, parallélisme avec l'axe horizontal, parallélisme avec de cette ligne avec l'axe vertical, etc. Les longueurs également. Donc, les contraintes sont nommées 1, 2, 3, etc. Donc, je renomme cette distance. Alors, vous faites un clic droit, propriété. Là, vous allez sur longueur. Là, je l'appelle largeur. Entrée. Je reviens ici, je fais un clic droit. Vous allez sur objet. Et là, vous faites soit représentation par nom, ou bien représentation nom plus valeur. Alors je vous montre la première. Voilà, c'est celle-là. C'est nom, la représentation par nom et valeur. Alors là, vous trouverez largeur est égal tartare. C'est bon. Et je fais la même chose pour cette distance. Alors je fais un clic droit, propriété. Là, je l'appelle hauteur. Entrée. Je fais la même chose, représentation, nom, plus valeur. Alors la première formule qu'on va utiliser, c'est la division. Par exemple, je mets que la hauteur est égale à la largeur sur 2. Alors je vous montre comment. Alors, vous faites un clic droit, vous descendez tout en bas, vous trouverez objet plus le nom que vous nommez. Et là, vous montez jusqu'à éditer formule. Voilà, je clique ici. Et là, vous trouverez le corps principal. Alors on est sur la hauteur qui est, voilà, c'est une longueur qui est dans l'esquisse 1, voilà, c'est celui-là, et qui est dans le corps principal, c'est ici. Alors cette hauteur, ou bien cette longueur est égale à, voilà, un signe, un symbole d'égalité, la formule qu'on va ajouter ici. Et là, vous trouverez le dictionnaire qui contient tous les dimensions, les paramètres et tout. Membre
nombre de paramètres. Par exemple, si je sélectionne par exemple les paramètres, alors vous pouvez choisir paramètres soit booléen, soit longueur, chaîne, plan, etc. Des contraintes et tout. Et là, vous trouverez les membres du tour, c'est-à-dire les membres de votre mécanisme. Voilà. Activité, repère, activité, parallélisme, ce sont des contraintes, la hauteur et tout. Donc, ici, c'est ce qu'on a sur notre mécanisme. Et là, c'est juste pour. Vous pouvez filtrer en utilisant par exemple les longueurs. Voilà, on a que deux distances, bien longueur. Contraintes, on a six contraintes, etc. Donc, qu'est-ce que je dis? Alors, la hauteur est égale à la largeur sur 2. Alors, je vous montre comment. Alors, voilà, la hauteur est égale à. Ici, je choisis la contrainte juste pour filtrer. Sinon, je peux mettre tout et je cherche la largeur. Voilà, la largeur. La largeur, elle est là. Mais de préférence que je filtre par les contraintes. Voilà. Et là, on a largeur. Je fais un double-clic pour qu'elle soit ici. Voilà. Et là, le symbole de division. Alors, soit je clique slash depuis mon clavier. Sinon, je peux le trouver également ici. Alors, vous descendez. Et là, ici, mat. Alors, mat, il y a le cosinus, tangente, etc. Vous trouverez également les opérateurs. Ce sont les opérateurs mathématiques. Et ici, il y a la division. Alors, je fais un double-clic ici. Voilà. Alors, je supprime 1. Et là, j'ajoute plus 2. Est égal. Alors, je clique sur OK. Là, il y a une erreur. Opération impossible. Entre une variable de type contrainte. OK. Alors là, ici, de préférence que je choisis. Je clique directement sur la largeur. Voilà. Je clique ici. Parce que c'est pas une contrainte, c'est une distance. Alors, la première qu'on a choisie, elle la considère comme contrainte et non pas comme distance. Voilà, je clique sur 2. OK. C'est bon maintenant. Et là, comme vous voyez, il y a le petit symbole de FXC qui indique que cette hauteur est liée à une formule. Voilà, je change la largeur. Alors, je mets par exemple 200. Et voilà, la hauteur prend une nouvelle valeur. Si je mets 300, voilà, la hauteur est égale à 150. Alors, j'ajoute un autre exemple. Alors, je choisis profil personnalisé. Alors, je clique ici, ici, une ligne horizontale. Et après une ligne verticale. Alors je clique sur échappe pour finir mon profil ici. Alors j'ajoute deux contraintes, par exemple celle-là et cet angle. Alors ici je mets 25, ici je mets 300, et là je l'appelle. Là d'ailleurs, vous devez désactiver cette contrainte. Voilà, je clique maintenant sur propriétés. Et là, je l'appelle hypoténuse. C'est bon. La représentation. Non, et erreur. Celle-là, je l'appelle juste angle. Et je fais la même chose. La représentation. Non, et valeur. Et là, j'ajoute cette distance et celle-là. Voilà, je clique droit. Et d'ailleurs, je vous montre d'autres façons de faire les formules. Alors, soit vous cliquez sur la petite icône qui indique le FXC, ou bien vous allez dans Outils, Formules. Et là, vous trouverez votre formule, ou bien votre paramètre. Je l'appelle d'ailleurs X, et celle-là je l'appelle Y par exemple. Je fais représentation
nom et paramètres, représentation, nom et valeur, c'est bon. Et là, je reviens sur le X, voilà, formule. Vous trouverez votre X, il est là. Alors, ajoutez une formule. Alors, je veux que X est égal à le sinus de cet angle, qui est 25 degrés, fois l'hypoténuse, qui est 300 mm. Alors, je reviens ici, c'est sinus. Alors, je le trouve sur maths. Alors, sinus de l'angle, fois, soit je clique sur l'étoile sur mon clavier, ou bien vous descendez jusqu'à opérateur, et là vous faites le clic sur l'étoile ici. Puis, fois l'hypoténuse, alors soit vous cliquez sur l'hypoténuse ici, voilà, ici, ou bien ici. Alors je clique sur OK. OK. Et voilà. Alors je fais la même chose pour celui-là, qui est égal le cosinus de cet angle fois l'hypoténuse. Outil, formule, ajouter une formule. Là vous cliquez sur maths. Et cette fois-ci c'est cosinus de cet angle fois l'hypoténuse. Je clique sur OK. Donc je reviens sur l'angle ici. Et là vous trouverez les relations qu'on a utilisées. Donc c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.